Bonsoir et bienvenue à Huy, dans la province de Liège, pour ce nouveau numéro de Place au Théâtre. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une salle qui est considérée comme un des hauts lieux culturels liégeois. Et pour terminer, nous mettrons en évidence la pièce de Josiane Balasco, intitulée « Un grand moment de solitude ». Place au Théâtre. Alors le Centre culturel de Huy, c'est un très vieux théâtre, rebaptisé Centre culturel en 1989. Et notre particularité, c'est qu'on travaille sur Huy, donc la ville de Huy, mais également sur toute une série de communes qui sont dans l'arrondissement, c'est-à-dire que nous avons un territoire qui recouvre 18 communes. Donc on travaille aussi bien en milieu rural qu'en ville. À la fois lieu de diffusion de la culture et bâtiment patrimonial matériel et immatériel de Huy, le centre culturel a une longue et belle histoire à nous raconter. Le bâtiment tel qu'on le voit aujourd'hui, il correspond à un bâtiment qui a été rénové aux alentours de l'année 2000. Donc il faut savoir qu'à partir de 1811, le conseil communal huttois a décidé de se doter d'un magnifique équipement qui était un théâtre à l'ancienne. Et malheureusement, ce théâtre a brûlé en 1925. Donc, la première pierre avait été posée en 1865, il a brûlé en 1925 et donc l'ensemble, la majorité du bâtiment que l'on peut apercevoir, c'est le bâtiment de 1925, hormis la rotonde qui est notre entrée, qui a été juste collée sur la façade. Donc quand on est dans l'entrée, les piquets, les poteaux d'entrée, c'est l'ancienne façade. Voilà. Donc c'est un théâtre qui a été modernisé en 2000, qui a une salle d'une capacité de 920 places. Qui peut accueillir une multitude de spectacles puisque la salle est assez modulable, la scène est grande, assez large. Donc ça nous permet d'accueillir un petit peu de tout, en musique, en danse, en théâtre. Et on s'est aussi coupé dans cette salle que vous voyez ici derrière, réduire la jauge à 300 places, ce qui permet une plus grande proximité des spectateurs, mais aussi de faire des spectacles sur la scène, en invitant les spectateurs sur la scène sur un gradin. Donc voilà, on a vraiment une modularité assez intéressante. De Thierry Lhermitte à Jean-Luc Lemoine, en passant par Annie Dupéré, les planches du centre culturel ont vu passer une série d'artistes de renommée internationale. Moi j'ai beaucoup de souvenirs. Très divers, Laurent Wanson, qui est peut-être pas très connu des spectateurs, mais qui est un artiste local et qui a vraiment mené sa barque maintenant, qu'on retrouvera dans la saison, cette saison-ci aussi, qui étaient des découvertes, Jean Rochefort, Pierre Richard, et évidemment toutes sortes de compagnies belges en théâtre, en musique, en danse contemporaine, puisqu'on essaye vraiment d'être dans un grand éclectisme. D'un point de vue purement théâtral, les saisons culturelles alternent les spectacles dramatiques aux thèmes engagés, les grands classiques et les vaudevilles, pour proposer une forme d'art accessible à tous, où il est possible de se plonger dans l'intimité d'artistes étrangers ou de chez nous. On n'a pas une étiquette, voilà, c'est le centre culturel, je ne sais pas moi, du théâtre contemporain ou de la musique chanson française. Voilà. Donc on a vraiment une volonté d'être très généraliste, mais aussi, parce qu'on est des petits malins philo, on aime aussi, via nos formules d'abonnement, une certaine... Voilà, on ruse un peu avec le public puisqu'on l'invite à choisir des spectacles reconnus et vraiment des pièces très connues que l'on va voir en Belgique, en France, en Suisse. Et dans ces mêmes abonnements, de les inviter à découvrir des jeunes artistes belges. Donc c'est vraiment une transversale, une ligne plutôt transversale qu'on essaye de donner à l'ensemble de la programmation. Avec des partenaires privilégiés, certaines compagnies parfois reviennent comme ça au hasard des rencontres, mais il n'y a pas vraiment de poulain ou de... Voilà, on se laisse vraiment vivre avec la création, ce qu'elle propose aujourd'hui, en essayant de mélanger des pièces à thème, mais aussi des choses plus humoristiques et joyeuses. Voilà, c'est très vaste. La programmation du Centre culturel propose diverses formules d'abonnements annuels, proposant au total une cinquantaine de spectacles. Les mots d'ordre de l'endroit sont « découverte et diversité », puisque les spectacles et festivals proposés se veulent les plus variés possibles. Ce soir, nous avons Josiane Balasco, voilà, qui vient.
Alors on va aussi accueillir Cabaret, la célèbre pièce Cabaret, qui va pouvoir nous replonger aussi dans les atmosphères particulières qui précèdent la guerre, donc qu'on trouvait très important à faire venir justement par ces moments-ci, puisqu'on est aussi dans des périodes un peu de crise dans la société aujourd'hui. On a aussi deux pièces de Jean-Marie Piem, qui était, voilà, c'est un hasard que tout d'un coup on en a deux cette année-ci. Laurent Wanson, qu'on reverra, mais alors à Wanze, dans un partenariat qu'on a avec le Centre culturel de Wanze. En musique, Grand Corps Malade, puisqu'on est aussi attaché aux mots et à l'écriture. Et sans oublier, ben, évidemment, tout ce qui est peut-être moins visible, qui est le jeune public, où là, on aura aussi un focus sur Christian Dalimier, qui est un artiste tutois, du jeune public et pour les familles, Noël au théâtre, avec une vingtaine de spectacles dans l'arrondissement. Voilà, un peu de tout. Alors après cette visite exceptionnelle de la salle du Centre culturel de Huy, je vous propose de découvrir l'envers du décor, mais aussi les coulisses du Centre culturel. Et nous avons avec nous Aurélien Juan, bonsoir. Bonsoir. Et nous allons faire avec vous ben, la visite de toutes ces coulisses. Alors eh bien, on vous suit, alors, avec plaisir. Donc depuis 2 ans, nous avons installé 2 rues sur le toit du Centre culturel. La demande est venue du plan communal de développement de la nature. Et ils proposent aux associations de participer à leur projet de maintenir la biodiversité en ville. Donc voilà, ici on se trouve dans la salle des ateliers et des stages. Donc c'est une salle qui a été transformée pour accueillir les enfants, les adultes, pour des ateliers théâtre, photos, dessins, en tout cas tout ce que le Centre culturel propose dans le cadre de son secteur créativité. Ici nous sommes dans la galerie Smet, qui est finalement un couloir qui mène aux loges et aux salles, mais on l'a transformé en galerie d'exposition. Et donc pour le moment vous avez une exposition de photographies proposée dans la caserne photographique du Centre culturel. Donc nous sommes ici aux loges, ben, comme vous pouvez le voir, ben, ces loges n'ont pas été rénovées, mais elles ont beaucoup de charme. Et donc elles ont été repeintes récemment et on a repris pour chaque loge une couleur du pavement. Donc dans l'émission du Centre culturel régional de Huy, il y a aussi l'aide aux communes et l'aide aux petits comités culturels et aux petits centres culturels. Et donc nous, on a mis en place toute une coordination régionale avec une mutualisation du matériel. Et donc le matériel que vous pouvez voir ici, il peut se retrouver aussi dans les petites communes, dans le cadre de Noël au théâtre par exemple, qui est un projet régional, ou dans le cadre d'une manifestation qu'une petite commune rurale organise. Voilà, donc on va terminer par cette plaque qui est la plaque de l'architecte. Comme on peut le voir, il est marqué Pollack et Hocque. Pollack est un grand architecte de l'art déco et c'est lui qui a dessiné ce bâtiment qui était le théâtre communal à l'époque et qui est maintenant le centre culturel. Eh bien, Monsieur Juan, merci beaucoup pour cette visite très intéressante du centre culturel et on vous souhaite une bonne continuation alors ici au centre culturel. Merci. Alors dans quelques instants, la pièce Un grand moment de solitude va commencer. Vous pouvez le voir, le public commence à arriver derrière moi. Je vous propose de découvrir tout de suite l'interview que Josiane Balasco vient de nous accorder quelques secondes avant de rentrer sur scène. Pourquoi est-ce que vous venez voir cette pièce-ci ? Écoutez, je ne peux pas encore vous répondre étant donné que je ne l'ai pas encore vue, mais je trouve que Josiane Balasco est une grande artiste et vu qu'elle venait à Huy, je ne voulais pas rater l'occasion. Je suis ici pour passer une soirée agréable et dans la détente. C'est une excellente actrice, elle a une présence formidable, un abattage. Voilà, maintenant la pièce on ne la connaît pas. Mais... Et vous l'avez déjà vue au théâtre ou pas encore ? Oui, si, j'ai déjà vu sur scène dans une pièce, je ne sais plus laquelle, mais c'était formidable. Elle m'a fait toujours beaucoup rire, elle donne beaucoup d'émotions, positives, négatives, tout. Et je l'adore. Quand je sais qu'elle était à Huy, il fallait absolument venir. Elle est cash, elle est nature, Enfin, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. J'ai vu souvent dans les enfoirés aussi, donc je trouve qu'elle est toujours très marrante. J'ai jamais vu dans une pièce de théâtre, mais voilà, c'est l'occasion. Alors Josiane Balasco, bonsoir. Vous êtes comédienne, auteure et vous occupez aussi de la mise en scène lors de la pièce Un grand moment de solitude. Alors revenons un petit peu au tout début de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de
de faire du théâtre et de devenir comédienne? Oh, c'est plus le hasard, vous savez, vous faites des rencontres. Moi, je voulais faire de la décoration. J'avais une copine qui était dans un cours de théâtre et qui m'a dit, ben, viens voir, tu peux toujours faire de la décoration théâtrale et voir comment ça se passe. Et une fois que j'y suis allée, j'ai abandonné l'idée de faire de la décoration de théâtre et j'ai suivi les cours de théâtre. D'accord. Et alors, vos débuts, alors comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de l'époque de vos débuts? C'était l'époque des cafés-théâtres, c'était en années, fin des années 70, mi-70, vous voyez, 75. Et bon, j'ai très vite rencontré l'équipe du Splendid, j'ai commencé à faire des petits spectacles, un ou deux spectacles de café-théâtre seul. Et ensuite, j'ai rencontré l'équipe du Splendid et bon, après, tout le monde connaît l'histoire. Du Splendid, les cafés-théâtres, tout ça, les troupes, les pièces qu'on a écrites ensemble, les Bronzés, le Père Noël, et voilà. Et alors, donc vous faites partie de la troupe du Splendid. Est-ce que faire partie d'une troupe, c'est important pour vous? Bah, au début, c'était important pour nous parce qu'on a commencé à exister comme ça. On était indépendants, on n'attendait pas les propositions qu'on n'avait pas d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on ne correspondait pas forcément aux critères de ce qu'on cherchait chez des jeunes acteurs. Et donc, on s'est écrit nos propres rôles. Donc, ça a été ça qui a été déterminant pour le reste de notre carrière. D'accord. Et alors, vous êtes à la fois comédienne et actrice, puisque vous alternez les projets théâtraux et cinématographiques. Alors, si vous deviez faire un choix entre le cinéma et le théâtre, quel serait-il ? Il y a pas, je crois que c'est difficile de dire ou faire un choix entre cinéma et théâtre, parce que j'arrive à faire les deux. Donc, je suis souvent actrice au cinéma, et puis j'écris des pièces que je joue pour le théâtre. Donc, j'essaye d'alterner. Vous voyez, là, ça faisait deux ans et demi, trois ans que je n'avais pas fait de théâtre, et ça me manquait. Donc, j'ai réécrit une pièce, et je suis partie en tournée la jouer, voilà, avec des gens que j'aime beaucoup. Il y a même mon chien dans la pièce. Vous voyez, pour dire que c'est entouré, c'est de la famille, quoi. Mon mari aussi, voilà. Et alors, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, justement, dans le fait de revenir au théâtre après 3 ans d'absence? Mais c'est toujours le contact avec le public, le théâtre, qui est formidable. C'est d'abord, c'est un laboratoire, le théâtre. On peut faire des rectifications. Le cinéma, une fois que c'est dans la boîte, c'est difficile de rectifier. Par contre, au théâtre, en fonction des différentes représentations, moi, j'ai réécrit beaucoup. Que je sois en tournée ou à Paris, moi je réécris en permanence, je rajoute des choses, je trouve des choses. Donc au théâtre, on a la réaction du public, on a un retour qui vous aide, qui vous nourrit, et c'est très important. D'accord, eh bien, nous allons parler un peu de la pièce. Alors, un grand moment de solitude, nous sommes ici dans le décor. Alors, vous en êtes l'auteur, vous occupez de la mise en scène, vous jouez dedans. Le plus difficile, c'est quoi? C'est écrire, c'est mettre en scène, c'est jouer? Écrire, c'est pas facile, je me dis que c'était facile, mais enfin, on a toujours la possibilité de retravailler et tout ça. Se mettre en scène, c'est plus difficile, se mettre en scène soi-même. Bon, alors l'avantage au théâtre, comme je vous dis, c'est qu'on a un temps de répétition, c'est qu'on peut retravailler, c'est que, disons que moi, je m'occupe d'abord de mes camarades et de moi ensuite, quoi, voilà. D'accord. Alors, vous interprétez le rôle d'un psychologue. Est-ce que vous avez l'habitude d'interpréter ce type de personnage? J'ai déjà interprété dans le film L'ex-femme de ma vie une psychiatre un peu particulière. Mais j'en ai écrit de temps en temps des rôles de psy qui ça m'amuse. Alors là, vous voyez, je suis maquillée en Brigitte Gaillard, voilà, qui est une psy assez énergique, mais particulière, qui a des problèmes. Enfin bon, on la prend dans la pièce. Et alors, vous auriez aimé, vous, être psy? Bah, je trouve que c'est un métier intéressant parce que on scrute l'âme humaine et puis on est à l'écoute. Alors quand on est metteur en scène au théâtre, au cinéma, on est obligé de faire un peu de psychologie de base, hein, pour travailler avec les autres, parler des personnages. Quand on écrit aussi, un personnage, il doit avoir disons, pour qu'il existe, pour qu'il soit efficace, il doit avoir une vraie fonction, une vraie nature, un vrai caractère. Donc ça demande aussi un peu de psychologie. Donc le théâtre se rapproche un petit peu du métier de psychologue, alors? Oh, je sais pas, mais en tout cas, ça fait beaucoup de gens, d'acteurs se soignent au théâtre au lieu d'aller payer un psy. Je crois que c'est vrai que ça règle beaucoup de choses. Alors, dans moins d'une heure, vous êtes ici sur scène. Est-ce que vous avez une méthode pour vous mettre en condition de jeu? Est-ce que vous avez un rituel avant d'entrer en scène? Bah écoutez, nous, avec mon camarade Kader Boukanev, qui fait l'autre psy, puisque l'histoire, c'est quand même deux psys, un qui ne peut plus sortir de chez lui parce qu'il est agoraphobe, l'autre qui ne peut plus recevoir chez elle parce qu'elle est accumulatrice compulsive. Donc, ils vont se retrouver ensemble. Et moi, je vais manipuler mon camarade pour cacher chez lui un type recherché, un hacker, enfin, un lanceur d'alerte, genre Snowden, recherché par toutes les polices. Alors, au début, lui s'allonge, parce qu'il commence à longer sur le divan et il me confie ses problèmes. Donc il s'allonge et moi je... Et voilà, et on reste 5 minutes, 10 minutes, on peut parler d'autre chose, on peut parler de tas de trucs, mais on est dans la situation du début de la pièce.
avec derrière le rideau, on entend les gens qui rentrent et tout ça. Et puis les petits rituels, c'est de ranger bien c'est tous ces accessoires. Moi, je remplis mon sac parce que j'ai un sac qui est censé être un bordel ambulant. Donc, je remplis soigneusement mon sac de tous les trucs que j'ai à remplir. Donc, on a tous des petits rituels. Le maquillage, par exemple, vous voyez, c'est le maquillage sans maquillage. C'est comme si j'arrivais toute nue sur scène parce que le personnage, il n'est pas maquillé. Bon, j'ai cette coiffure un peu particulière, tout ça. Et puis, il faut que les gens voient de loin. C'est pour ça qu'il y a le maquillage est fort. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour ce soir. On vous dit les 5 lettres, en tout cas. Et alors, nous aurons l'occasion de venir vous applaudir aussi, si les gens le souhaitent. Le 9 janvier prochain, vous serez au Théâtre Saint-Michel de Bruxelles. Ça, alors. Oui, c'est avec un grand plaisir. J'adore Bruxelles. Et alors, le public belge, est-ce qu'il est différent du public français ? Mais il est formidable. Vous savez, les publics, je pense que c'est à partir du moment où les gens sont heureux de vous retrouver et d'avoir un échange riche, parce qu'à part du moment où ils rient, tous les publics sont... Je ne vois pas qu'il y a un mauvais public ou un bon public. C'est au acteur d'être bon ou mauvais, vous voyez. Quand un acteur est bon, quand il donne un maximum et que la comédie, puisque c'est une comédie, la comédie fonctionne, le public est toujours bon. Mais surtout, l'avantage en tournée, c'est que les gens vous attendent. Vous savez, c'est pas quand on joue dans une grande ville, quand on ouvre une pièce dans une grande ville, que ce soit à Paris ou dans une autre ville, une autre capitale. Bon, les gens sont habitués, il y a des pièces partout. Vous savez, c'est bon, alors on va peut-être voir cette pièce-là. Quand on part en tournée, les gens qui ont choisi, c'est vraiment qui vous attendent, voyez. Donc il y a une attente qu'il ne faut pas décevoir, mais qui est aussi très chaleureuse. Tout à fait. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça a été un grand honneur de vous avoir avec nous. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de ce dernier numéro de Place au Théâtre pour l'année 2014. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous de nous avoir été fidèles durant ces 3 mois. Je vous donne rendez-vous en 2015 pour un numéro de Place au Théâtre exceptionnel qui sera consacré au meilleur théâtre que vous aurez élu sur tvwallonie.be. Donc je vous donne rendez-vous pour voter pour votre meilleur théâtre. Je voudrais remercier également toutes les équipes qui ont fait que Place au Théâtre puisse exister. Merci à Patrick, merci à Clémentine, merci à tous les autres. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous en 2015. Mais d'ici là, je vous souhaite d'excellentes représentations, que ce soit ici, au Centre culturel de Huy, ou ailleurs. Bonsoir et bonne fête.